jeudi 29 mars 2018 à 16h28 par Joshua Daguenet. Copyright Capture France 5. Un numéro inédit de la Grande Librairie est dirigé par François Bunel ce jeudi 29 mars sur France 5, à retrouver dès 20h50. Jean-Marie Gustave Le Clégeau est convié pour commenter la sortie de son dernier roman, Bitna, sous le ciel de Séoul, 10 ans après avoir reçu le prix Nobel de littérature. De son côté, Douglas Preston reviendra sur son périple aux côtés de scientifiques, raconté dans « La cité perdue du dieu singe ». Caryl Ferret livrera quelques secrets de son polar « Plus jamais seul », publié chez Gallimard, scellant le retour de son ancien policier Mac Cash. Dans le même genre, Jean-Christophe Ruffin présentera « Le suspendu de Conakry », avec un consul de France très particulier, Aurel Taimescu, anciennement pianiste de bar. Enfin, l'historien Patrick Boucheron sera également en plateau pour le préface de « L'homme qui se prenait pour le roi de France ». Le jeudi 22 mars, les différents auteurs avaient mobilisé 469 000 curieux et 2% de part d'audience, un score très en dessous des scores habituels. France 5 invite divertissement la Grande Librairie. On vous recommande dans la